Bonjour, je m'appelle Djeneba Dabo. Je fais la classe de 5e F au CEM Malifal de Jigenshor. Je suis la présidente du conseil de quartier de Belfort et je suis aussi la maire du conseil communal des enfants. Et je suis très enchantée de venir faire cette interview avec vous. Je pense que cette journée est très importante pour nous les enfants, car ça marque quelque chose de profondément intéressant pour nous, parce que nous sommes des enfants. Et tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous, comme je l'ai déjà dit. Cette journée est franchement très intéressante, car le maire vient de donner des cadeaux aux enfants démunis et ceux qu'ils ont pris premier à l'école, car les études c'est très important dans la société. Et surtout quand l'enfant est l'avenir de demain. Je pense que cette journée devrait avoir lieu plus souvent. Je leur donne juste deux conseils. La première, c'est que ne désespérez jamais, car tous nos rêves peuvent se réaliser si on y croit vraiment. La deuxième, c'est que quand on prend premier à l'école, qu'on voit que maman n'a pas d'argent pour nous acheter des cadeaux, tout ça, ce n'est pas grave. Sachez que maman est là pour nous. Et quand nous étudions, nous devrions penser à papa, à maman, car on ne savait même pas comment ils ont pris l'argent pour nous inscrire à l'école. Alors, le mieux serait d'apprendre vos leçons et de faire comme ce que fait un bon élève. Vous devriez apprendre vos leçons, c'était tout ce que j'avais à dire pour l'heure. Je leur dis que cela n'est pas bien de donner un travail très lourd à un enfant, car l'enfant, sa place est à l'école, non dans la rue. Dans la rue, il peut lui arriver des choses terribles. Et comme disent certains gens, un autre peut lui dire viens me vendre du nana. Et comme elle n'est pas assez grande pour se défendre, elle va aller et lui dire tiens l'argent. Lui va le lui dire non, j'ai laissé l'argent dans ma chambre. Comme elle ne connaît pas du tout la loi de la rue, elle va entrer là-bas, il peut lui arriver des choses totalement indésirables. Donc le mieux ça serait de ne pas laisser l'enfant apporter la dépense pour la maison, car l'enfant elle est là pour étudier. C'est à vous parents de vous occuper des dépenses là. Oui, c'est exact, c'est ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, je vais le répéter d'ailleurs. Car on a pris premier à l'école. On dit que ça y est, ben, j'ai pris premier, je ne vais rien faire, je ne vais pas aller apprendre mes leçons. Mais quelqu'un va venir et va te faire descendre de ton nuage. Car là, si tu t'endormes, ils vont prendre ta place et te laisser derrière. Le mieux, ça serait quand on prend premier, c'est pour y rester. Et pour les autres qui n'ont pas pris premier, je vous dis de redoubler d'efforts, car rien n'est impossible. Pour ceux qui dorment dans leurs arbres en disant « j'ai pris premier, bah ouais, j'ai fini, hein, quand même, c'est tout ». Il faut les faire descendre de leur nuage et leur montrer que vous aussi, vous êtes tout aussi intelligents qu'eux. Parce que chaque enfant est intelligent, il n'y en a pas un qui n'est pas intelligent. Et c'était tout. Je pense que les jeunes filles, car l'avenir d'une fille est très importante dans la société. Il ne s'agit pas que c'est une fille, elle est là pour faire les tâches ménagères, elle n'est pas là pour aller à l'école. Mais il n'y a aucune loi qui autorise ça, il n'y en a aucun. Donc je tenais à dire que les filles, leur place est à l'école, que nous, population, nous devions nous lever et dire non, non et non à la violence faite aux filles. Car nous sommes des filles, nous voulons notre droit. Nous voulons défendre notre droit, car notre droit, c'est d'aller à l'école. Je n'ai pas vu aucune loi qui interdise à une fille de ne pas aller à l'école. Parce que la loi n'a pas dit que c'est un homme qui va aller à l'école ou c'est une femme. Tout le monde peut aller à l'école, même si on n'a pas les moyens d'aller à l'école. Mais cela est très grave parce que je dis que c'est de la faute du père. Méfiez-vous des garçons. Ils peuvent te dire « je t'aime comme un poisson dans l'eau ». Mais dis-le-lui, je m'en fous de ça. Moi, je suis là pour étudier. À l'école, d'ailleurs, il y en a un de mes camarades qui s'est fait prendre pour ça. Il lui a écrit « je t'aime comme un poisson dans l'eau ». Je ne peux pas vivre sans toi, mais tout ça, ce sont que des conneries. Il ne pense même pas, il veut juste abuser de toi. C'est tout ce qu'il veut. Ce n'est même pas vrai. Il ne peut pas t'aimer comme un poisson dans l'eau.